Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Eden Zero Pocket Galaxy, le jeu. J'ai déjà testé sur mon téléphone, j'étais en train d'enregistrer mais j'ai eu un petit problème de freezing, de FPS, de petits bugs qui liaient seulement à mon téléphone. Sauf que quand j'ai enlevé le partage d'écran avec l'application pour partager mon écran sur mon ordi, le jeu marchait nickel. Du coup, petit aspect sur le PVP qu'on va redécouvrir ici. D'ailleurs, pour ceux qui jouent sur PC, je vous conseille d'y jouer sur BlueStacks 5, 64 bits PI. Du coup, Android PI, je crois que ça s'appelle, la version 64. Et réellement, le jeu est très, très, mais très plaisant de ce que j'ai vu dans le tuto. Dans tout cas, là, j'ai pas terminé je crois de tout installer. Je crois qu'il me reste encore 1,60 Go à télécharger. Mais dans tous les cas, les gars, n'essayez pas de reroll parce qu'il y a environ un petit peu plus 3 Go à mettre. Voilà, voilà ce que ça donne. D'ailleurs, il faut que je rajoute des touches. On va le faire en même temps en direct avec vous. Ok, on est là. Ce que je veux, on va mettre ça pour les touches. Voilà, normalement c'est bon. Et pour le reste, j'appuierai. Ok, c'est bon. Et je crois. Je sais pas si c'est un monde ouvert. On va dire que c'est semi-monde ouvert de ce que j'ai vu. Je suis pas sûr à 100%. Mais on a la possibilité de se déplacer dans les maps et tout. Et ça, c'est bien. Là, je suis en train de skip parce qu'il y a aussi le téléchargement à faire derrière. Du coup, comme je vous disais, le téléchargement prend énormément de temps. N'essayez pas de reroll, ça sert strictement à rien. Petite coupure, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le concours est toujours disponible. Il y a 40 euros à gagner, à départager sur 3 gagnants. Le premier gagnera 20 euros, le deuxième 10 et le troisième 10 également. Du coup, en quoi consiste le concours? C'est simple, il faut RT et like mon tweet épinglé qui se trouve sur mon Twitter, bien sûr. Et me suivre, tout simplement. Il n'y a pas de galère. Allez, on skip. Ok, on lui a fait une petite coupe, tranquille. Il se peut que je sois pétoune parce qu'il y a un système. Il y a un gros système arène et je crois que ça sera du PvP en temps réel. Je ne suis pas encore sûr à 100%. J'espère réellement que ce sera du PvP en temps réel et pas du PvP auto. Par contre, le reste, c'est le jeu est très similaire à Dragon Quest Dai dans le sens où il y a l'histoire des personnages pour les up et tout. Et concernant les invocations, c'est pas tout à fait ça en fait. Il n'y a pas d'invocation, on gagne de l'Eder. Et en fait, on a une boutique, enfin, c'est des EG, Eder Game. Et en fait, ça nous permet derrière d'acheter des skins, des équipements et tout pour améliorer nos stats. De toute façon, on verra ça après là. On aura terminé là-dessus. Tout ça. Ok. Et là encore, j'ai même pas encore tout débloqué. Il y a aussi le système d'esquive et tout. Oh, le système de vol également. Le gameplay est vraiment, vraiment complet, hein, pour un jeu top-down. L'ultime. Mmh.
Y aurait-il un petit problème? Non, même pas. Bon, skip. Je vais voir si je pouvais mettre au-delà de 134, enfin, de 60 FPS, mais je vois que là, je suis bloqué à 50. Faut que je vois in-game et je peux switch la qualité. Je suis pas vérifié sur mon téléphone. Je skip comme ça, je vous spoil pas pour ceux qui veulent regarder la série, enfin l'animé. Ok. Voilà, on a les fameux encore les 1,60 Go à télécharger. Du coup, on se retrouve à de suite pour faire un petit débrief. Dans tout cas, j'ai déjà donné un léger avis sur ça. Du coup, on se retrouve à de suite après le téléchargement. Ok, on arrive à la fin du téléchargement, les amis. Ça va nous prendre encore 2-3 minutes, mais tranquille. Je vais vous dire que on n'invoque pas. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais on n'invoque pas. Il n'y a pas de portail. En fait, on farm les équipements. On farm la monnaie qu'on peut acheter avec des vrais sous. Et on les échange directement avec les équipements, les skins, les cosmétiques. Les passes de combat, enfin on va appeler ça des passes de combat. Et en fait, je pense que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On est, on va dire, dans un jeu plus ou moins open world. Semi-open world, voire un semi-open world light. Et réellement, vous n'allez pas être déçu quand vous allez prendre en main le jeu. Du coup, ok, on a terminé tout ça. Ok. Et qui plus est, il a été fait sur le logiciel de développement Unreal Engine, qui est vraiment un très bon logiciel, vu que les trois quarts des jeux sont faits sur deux trucs. Ce logiciel-là. Allez, petit chargement, on termine bientôt. Enfin, on termine bientôt toute cette mise en scène, on va dire. Avant le vrai commencement. Ok, allez. Enfin. Et imaginez, c'est là où ça crache. Ok. Du coup, j'ai 13. Jour 2. Ok, bon. Ah oui, ben oui, vu qu'il y a le bonus, ouais, vu que je m'étais connecté avant. On ferme, on va découvrir ça ensemble. On découvre tout ensemble, j'ai pas envie de voir les événements. Ok. Du coup, qu'est-ce que je voulais voir déjà? Ah oui, les paramètres. Paramètres de. Du nom, afficher les paramètres. Il n'y a pas plus que ça. Non, il n'y a pas grand-chose. Bon, ok. Du coup, là, comme je vous l'ai dit, on peut pas invoquer. Mais on peut faire ça. En faisant le mode histoire et tout, on a la possibilité d'acheter ce skin-là. Saut puis attaque en piqué, réduit temps défense, augmente la puissance ailleurs en cas d'attaque réussie. Voilà, du coup, on a ça comme truc. Et les costumes, pour le moment, il y a le costume de Bunny Girl pour Rebecca, passe de combat que je viens d'acheter pour Chiki. Après, on a les matériaux qu'on peut acheter avec la monnaie qu'on gagne dans le jeu. Les tickets de passage pour au cas où, si vous voulez farmer
les ressources pour augmenter votre personnage. Ok, du coup, on va aller dans le mode histoire. Voilà, l'esquive, en fait, c'est une double roulade. C'est une roulade en avant, en arrière. Ok. Ok, go pour le mode histoire, l'histoire principale. Parce qu'il y a aussi l'histoire du personnage, histoire secondaire, event, arène et tout là. Ok. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je laisse un peu de cinématique pour vous faire aider un peu. Et là, on skip. Allez. Sinon, ça spoil. Et on n'est pas là pour le spoil. Voilà, j'ai mis le costume qu'il nous donnait pour Rebecca. En vrai, ils auraient dû animer l'arrière-plan. Dans les cinématiques. Parce que là, ils ont mis une image PNJ, là, une image simple. Ils se sont pas trop cassés la tête. Excepté pour là. Ok, du coup, là, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins un monde ouvert. Hein. La seule différence, c'est qu'on peut. Enfin, on va dire que le seul problème, c'est qu'on peut pas se déplacer. Qu'on peut pas se déplacer dans l'espace. Comment on souhaite. Ok. Le mode auto, toujours important, comme on le sait. Arbre de compétences, on va sur l'arbre de compétences du personnage. On est déjà à 12 minutes. Ouais, du coup, chez qui est un tente? On peut changer nos. Ok. Ok. Ah, mais c'est super bien en fait. Ça, c'est un bon point. Parce qu'en fait, vu qu'on a la possibilité de sélectionner nos compétences, c'est-à-dire qu'on aura une variété de. On aura une variété de combos à faire. Mais ça, c'est cool. Du coup, à chaque fois qu'on complète une quête, c'est 10 cristaux, on va dire, pour pas trop vous perdre. 10 cristaux, en sachant que l'histoire est très très longue. Avec l'arène à côté, plus les events, on aura de quoi. Ouais, on aura de quoi faire pour acheter les skins et tout. Bien sûr, avant d'acheter. Avant de commencer à être pay to win. Voilà, ça rame un peu par contre. Hein. Bien vu l'esquive et le mode auto hier qui régale bien sûr. Et si on attaquait un peu. Je vous assure que sur téléphone ça serait 100 points de mieux. Vraiment. Je vous mens pas. Hein. Je vous mens pas que la qualité sur téléphone est 100 fois mieux que ce que j'ai là en face de moi. Je mets des touches aussi sur ça. On va mettre le mode auto le temps
Le temps de mettre les touches. Alors là, on va pas se casser la tête en vrai. Ouais, c'est bon. Hip. Je crois qu'il me reste encore deux touches à mettre, mais c'est bon, tranquille. Le plus important, on va dire, est fait. Vu qu'on a 15 minutes de vidéo, on va bientôt terminer. On finit juste ça. On enlève le mode auto parce que j'ai envie de faire moi-même mes combos. C'est une attaque vraiment corps à corps. On va découvrir ça bien sûr dans le live et tout, les amis. D'ailleurs, le live sera à 18h. Qu'est-ce que j'ai? Il sera à midi ou un peu avant. Je le balancerai dans le tas, bien sûr. Il n'y aura pas d'organisation sur ça. J'essaie de le balancer le plus tôt possible. Sur ce, les amis, on se quitte sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve au live, à tout à l'heure. Peace, prenez bien soin de vous et bonne découverte de ce jeu. Pour ceux qui vont y jouer sérieusement, peace et prenez bien soin de tout le monde. Ciao!